d'une parole que j'ai déposée dans mon cœur durant cette nuit pendant que je priais. While I was praying, I had a word laid down on my, in my heart. Nous sommes arrivés à la fin de cette année. We've reached the end of this year. Qu'elle ait été bonne ou mauvaise, whether it was good or bad, nous sommes arrivés. We've reached the end. Et quand nous sommes arrivés, as we've arrived, nous avons l'espérance d'entrer et de terminer l'année prochaine. We have the hope to enter and finish next year. Déjà, bonne nouvelle année à chacun. Happy New Year to everyone. Amen. Amen. Cette année, this year, le thème que Dieu a mis sur notre cœur, the theme that God has laid down on our heart, c'est prends possession de ton territoire. Take possession of your territory. Dis à la personne qui est à côté de toi, say to the person next to you, prends possession de ton territoire. Take possession of your territory. Mais ne lui dis pas comme si c'était une suggestion. Dis-lui comme si c'était une instruction. Don't tell him as it was a suggestion. Tell them as prends possession de ton territoire. Take possession of your territory. Prends possession de ton territoire. Take possession of your territory. Alors je voudrais avant de continuer, so before I carry on, où tu es, puisse maintenant déclarer, you to declare, avant même d'avoir entendu la parole de Dieu, before even you hear the word of God, je prends possession de mon territoire. Say, I take possession of my territory. Mais non, vous ne me comprenez pas. You don't understand. Ce sont des choses sérieuses. Si tu le dis, tu le dis avec conviction. You say that, you quand say tu le dis, tu le dis debout. You say quand tu le dis, tu tapes le pied. Quand tu le dis, tu tapes ta voisine. Quand tu le dis, tu le dis réellement. Comme si tu voyais, tu te voyais déjà en train de prendre possession de ton territoire. Parce que nous croyons que quand Dieu libère une parole, ce n'est pas en vain qu'il le fait. Quand Dieu libère sa parole, cette parole est accompagnée avec la puissance et l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que sa parole ne remonte jamais à Dieu. Sans avoir d'abord accompli les desseins pour lesquels la parole avait été avancée. Dieu ne parle pas pour le plaisir de quelqu'un. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Il est tellement certain de sa parole que Dieu lui-même garantit sa parole. Que Dieu lui-même peut dire je prends serment en mon nom moi-même. I am sure cette parole que je déclare, cette parole s'accomplira. This word, parce que c'est la parole de Dieu. Because it's the word of God. Quand la parole de Dieu te dit ainsi, when the word saisis la parole de Dieu, this, déclare la parole de retour à Dieu. And you have to mais quand tu le fais, and when elle you est avec foi et avec confiance, do faith que je crois. Je sais, and je prends possession. Je prends possession de mon territoire. Of my territory. Maintenant, dis-le encore avec foi. Say it with faith now. Dis-le de façon I take a... d'énerver le diable. I see you, to dis-le make de façon à humilier tes problèmes. To humiliate your problems. Je prends possession de mon territoire. I take possession of territory. Je prends possession de mon territoire. I take possession of my territory. Voilà. Écoutez ce que j'ai reçu cette nuit. Listen to what I received this night. Je voudrais que nous lisions ensemble le psaume 43. I want us together to read the psalm 43. Psaume 43. Nous allons le lire les versets. Psaume 43. Où je suis? Alléluia. J'ai pas noté, mais je vais le retrouver. Attendez, donnez-moi un moment. Ça m'avait tellement touché, tellement secoué que j'étais tellement heureux avant de passer la parole d'aujourd'hui. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi ne l'ai-je pas noté? Oh, ça viendra, ça viendra. Le 43 c'est bon, mais
J'avais voulu un autre, celui que j'avais vraiment.